Mais c'est pas soleil, ça? Prenez vos affaires, on s'en va. Tout de suite. Tu comprends pas que j'essaie de te protéger de tout ça? Mais tout ça de quoi? De qui? De William? J'ai pas envie de tout perdre à cause d'une fouineuse. Parce que Julien est pas capable de tenir sa langue. Mais qu'est-ce que tu fous là? Je suis venue avec Soleil. Quand il s'est réveillé de son coma, il était complètement flippé à l'idée que vous soyez parti au Vietnam. Vous partez? Par un serpent. Elle est inconsciente. Elle est restée dans la forêt avec Léo. C'est quoi comme serpent? J'en sais rien. Viens vite! À quoi tous les trois? Et toi, qu'est-ce qui te prend? Bon. Tu sais pourquoi on est venu ici? Tu sais pourquoi on est venu au Vietnam? On est venu pour toi, mec. Alors laisse-la te parler. Écoute-la. Je t'écoute. Je te reconnais plus, Soleil. Mais Alice, tu me connais pas? Si, je te connais. Tu t'appelles Julien Garry, t'es né le 21 juin 87. Tu connais à peine ton père et t'as grandi avec ta mère jusqu'à ce qu'elle meure. Et après, t'es venu vivre en Nouvelle-Calédonie pour échapper à tout ça. C'est pas mal, non? On va rester avec toi. Nous, on n'abandonne pas nos amis. Mais je vous ai jamais rien demandé. Surtout pas d'être mes amis. Parce que j'ai besoin de personne. J'assume seul ce que je suis. Je te prends pour un homme. Mais t'as même pas été foutu d'en être un avec ta femme mariée. Et toi? À ton âge, j'avais déjà pas de parents. Alors ta fugue de petite bourgeoise au Vietnam, elle me fait juste rire. Mais tu te prends pour qui, là? Ah, Alice. Parce que t'as pas réussi à sauver Alex, que tu t'accroches autant à moi? Ah, j'ai compris. T'avais besoin d'une bonne action pour te faire pardonner? En fait, je suis ta session de rattrapage, c'est ça? Ça suffit maintenant. Alice, te laisse pas déborder par tes émotions. Non, non, ça va, t'inquiète. Tu me fais pitié. Je te demande juste un truc. Lâche-moi une bonne fois pour toutes. Rien ne fera revenir Alex. Il est mort et enterré. Ça suffit maintenant, tu m'entends? Ça suffit! Ça suffit, tu m'entends? Yeah.
Là, Alice, tu t'es laissé dépasser par tes émotions, hein. Alice, ça va? Ça va, j'ai compris, j'ai rien à faire ici. Alors je prends quelques affaires et je m'en vais. À cause du soleil? Honnêtement, on peut rien faire pour lui. J'ai essayé d'aider, mais... Donc, tu donnes ça à ton pote. Salut. Attends, qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Je suis pas au courant de vos petites affaires, là. T'inquiète pas. Attends, Alice, Alice, attends. Tu peux pas l'abandonner. S'il reste tout seul ici, il va recommencer ses conneries. Crois-moi, il a jamais connu une fille comme toi. Il doit repartir avec toi. Ok, pas de problème. Ben, moi aussi, c'est ce que je pense. D'accord, papa. Embrasse maman. Bon, alors, vous avez quoi? C'est énervé? J'avais promis de te réexpédier en France par le premier avion. Non, Léon, j'ai pas envie de retourner en France, allez! Je céderai pas. Putain, mais je t'en supplie! Allez, s'il te plaît, je ferai tout ce que tu voudras. S'il te plaît, donne-moi une seconde chance, allez! Allez, arrête cette comédie, ça marche pas avec moi. Non, mais Léon... Si j'ai fugué, c'est parce que je pensais que t'étais en danger ici. Et puis bon, t'as toujours été là pour moi. T'es le meilleur des grands frères. Et je voulais être à ta hauteur. Tu sais, c'est difficile de vivre dans ton ombre. Tu trouves pas que t'en fais un peu trop, là? Non, 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 attends, j'ai pas dit oui. Hey, y a Anne. Ça va? Non, non, attends, laisse. Lola, elle va t'aider. Hein, Lola? Je pensais que vous étiez partis. Non, non, on part bientôt. On n'a plus rien à faire ici. C'est dommage. Sur la table. Oups. Non, non, non. C'est Lola qui va s'en occuper. Ah ouais? Je dois aller préparer le barbecue. Je dois préparer le barbecue. Non, 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 t'inquiète, t'inquiète. C'est aussi Lola qui va s'en occuper. Ah ouais? Oh là là, tu peux aller faire le trou dans le sable pour le barbecue. Non mais finis ça avant. C'est mieux. Relax.
T'es sûr de te trouver là? Alice a laissé ça. Elle est partie? En pleurs, complètement effondrée. Mais quoi? Ça n'a pas l'air de te plaire. C'est pourtant ce que tu voulais. Je commence à payer. Tu peux encore la rattraper. Après, ce sera trop tard. J'ai déjà tout perdu depuis longtemps. Tu veux toujours aller voir les flics? Ok. Laisse-moi un peu de temps pour m'organiser. J'ai pas envie de prendre 10 ans pour complicité de meurtre. D'accord. Je fais une fête tout à l'heure. T'as quelque chose à fêter, toi? Passe me voir, j'ai une surprise. Vous ne serez pas là pour la fête. Lola! Allez! La pauvre. Elle est en vacances? Non, non. Elle n'est plus en vacances, là. Fais-lui. Je dois t'aider. Ah, mais c'est mal. Ça va? Ah, j'ai du sable dans les yeux. Ça fait mal. Thank you.
que tu es heureux. La gastronomie. Oui. Okay. Et toi, c'est ta première fois à Mena? Oui. Non mais c'est bon, arrête de flipper là. Moi je suis fidèle au moins. À qui? La charque. Tu sais quoi? Ça sent la France, non? La deuxième caisse de bière. Remember. Comment tu te sens? Très bien. J'avais dit que j'avais une surprise pour toi. Elle est revenue. Elle veut pas te perdre. C'est ta dernière chance. Réfléchis bien. Je peux te parler un moment, s'il te plaît? Pourquoi vous êtes encore là? On est amis, non? Tu verras. Tu finiras par partir. Vas-y, on partage. Tu fais quoi, là? Mais je sens qu'on va se revoir. Je crois pas aux rencontres du hasard.